concentré, focus, j'imagine. Bon, c'était un peu dur la reprise après une défaite, parce que c'était pas monnaie courante cette saison. Mais bon, il faut s'y remettre et travailler et cravacher encore plus. Ouais, on a pris un coup sur la tête. On est tous très déçus sur, par rapport au match qu'on a fait, notamment de perdre notamment ce derby. Donc voilà, on va en profiter pour recharger les batteries cette semaine, pour recommencer fort la semaine prochaine et puis repartir avec un résultat positif contre Monaco. Ouais, ces deux premières séances de la semaine, ça a été bon, plus léger hier, un peu plus de finition aujourd'hui, des travail sur les ischios. Comment tu pourrais résumer ça? Ouais, il faut malgré tout quand même continuer à travailler un petit peu. Donc là, on a fait un petit renforcement sur les ischios par rapport au reste de la saison, et un petit travail technique devant le but pour travailler la finition. C'était assez ludique, c'était un bon petit travail. Et voilà, demain on va remettre ça et puis bien terminer la semaine. Cette période, ces périodes internationales, c'est comme dirait Steph, c'est pour les rééquilibrages aussi pour certains. Là on voit que c'est les ischios. C'est toi, d'un point de vue personnel, comment tu le ressens et comment tu profites de ces trêves justement? C'est exactement ça, il faut faire au cas par cas. Notamment il y a des joueurs qui ont moins joué, qui sont en train de faire un travail supplémentaire. Et puis les joueurs qui ont beaucoup joué peut-être calmer un petit peu. Donc moi de mon côté je continue à travailler un petit peu pour. Vu que physiquement je me sens bien, je continue à travailler un petit peu. Et voilà, après c'est vraiment au cas par cas. 6 journées sont passées, quel bilan tu peux faire pour conclure sur cette entame de saison? On dira pas cette première partie parce qu'on en est loin, mais cette entame de saison. Il ne peut pas être positif parce qu'on a perdu le match le plus important. Mais malgré tout, il y a eu des bonnes choses. Voilà, on a enchaîné 3 matchs à domicile avec 3 succès. C'était vraiment pas mal. On est revenu, même si ça a été difficile, on est revenu avec un bon point de Dijon. Et bon, malheureusement, on a mal terminé cette première petite partie. Donc voilà, faut se reconcentrer sur le championnat. Pas oublier, mais se servir de ce match. Mais pas l'oublier parce qu'on est passé à côté. Et puis on l'a encore en travers de la gorge. On a fait une prestation très moyenne. Mais voilà, on va continuer à travailler pour que ça se reproduise plus. Breathing, we are catching fire. Thought that.